est parti pour la deuxième étape. Là, on a vraiment le sentiment d'être en Irlande, avec cette pluie habituelle hein, sur cette course. C'est la même deuxième étape que l'an dernier et qu'en 2016. On la connaît bien, une première boucle de 30 km avec un grimpeur sur une route assez large et faible pourcentage là. Et après on attaque la deuxième boucle où bon, ça ressemble un peu aux courses bretonnes, un peu similaire au KBE féminin qu'on a fait cette année. Là. Un enchaînement de trois belles bosses là, sur les petites routes. Habituellement c'est un petit peloton de 30-40 filles là, qui joue la victoire d'étape aujourd'hui, hein, parce que le final c'est du faux plat descendant, un virage à droite. Hyper dangereux sur un petit pont et puis 150 mètres de la ligne. L'an dernier, les filles font 3 et 4 hein, parce qu'elles virent 3 et 4 au virage, donc ça va à quoi s'attendre aujourd'hui.